Fabrice, tu es né le 9 décembre 72 à Tahiti. Tu as Ouais. donc 47 ans. Selon ta fiche ATP, tu fais 1m78 pour 74 kilos, à l'époque en tout cas. Ouais. Ton papa, a priori, était gardien de but en Ligue 2. Alors, je ne suis pas certain de l'info, mais c'est ce que j'ai cru trouver. Et si je ne me trompe pas, tu es fan de Chelsea. Tu as gagné l'Orange Bowl en 88, puis Roland Junior en 89 en sauvant 2 balles de match en finale, mais je n'ai pas le nom de ton adversaire pendant cette finale. J'arrête Palmer. Tu termines justement numéro 2 mondial junior cette même année et en profites pour passer pro. Tu as ensuite Ouais. été joueur professionnel de tennis entre 89 et 2010, soit 21 ans de carrière. Ouais. Tu as été 17e au classement ATP en 2006, justement à ta 17e année. 2001. 2001. 2001, d'accord. Tu as même été numéro 1 mondial à la race après avoir gagné le tournoi de Doha, le premier tournoi de l'année, en battant Schüttler le 9 janvier 2000. Beau Ouais. passage dans un nouveau millénaire. Ouais. Tu as joué 914 matchs pour un ratio positif de 470 victoires pour 444 défaites. Ouais, je savais pas, ouais. Tu as gagné 6 titres, Lyon en 97, Marseille en 99, Doha donc en 2000, Dubaï en 2002. A priori, merci le Qatar qui te va bien. Ouais, Newport en 2007 et 2008 sur gazon. ouais. Le double tient également une très grande place dans ta carrière avec 644 matchs joués. 381 défaites pour victoires pardon, pour 263 défaites. Tu as été sixième à ton meilleur en 99 et gagné 24 titres dans cette discipline, donc Bercy en 2002 avec SQD, l'Open d'Australie en 2003 et 2004 avec Mika Liodra, Rome et le Masters en 2005 toujours avec Mika, et Rome à nouveau parmi les titres les plus prestigieux en 2007 avec Zimonjic. Tu as également un grand chelem en double mixte en 2005 associé à la jolie tchèque Daniela Hantuchová. Ouais, Slovaque. Slovaque, tout à J'ai pas, fait. je pense pas que ce soit 2005. Ah. Je sais pas, j'ai peut-être le trophée ici. Ah bah là, si on l'a à l'image, c'est merveilleux. Ah oui, c'est ça, 2005. Génial. Merci. Tu as gagné 2 fois la Coupe Davis en 91 et 2001. Est-ce qu'on peut avoir les trophées également? Faudrait que je tourne mon ordinateur. Je sais pas comment on fait. Je passe comme ça, elles sont là-bas. Ah, génial. Oh, la chance. En 2004, j'avais 14 ans. Et je criais tout ce que j'avais dans les tribunes de Roland-Garros quand tu as battu Iraki Labadze au deuxième tour de Roland en 5-7. En quelle année ça? En 2004, tu es surnommé le magicien par Pete Sampras. Tu as codétenu le record de match le plus long avec Arnaud Clément pendant 6h33 à Roland en 2004. Tu as participé à 70 grands chelems. Tu as le record du nombre de tournois joués en simple au nombre de 437. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Fabrice? Qu'est-ce que j'ai oublié? Que j'ai une fille de bientôt 19 ans, que Ah, le très temps bien. passe, que c'était une belle tranche de vie, que j'ai adoré, que mon après-carrière me plaît énormément, j'adore ma nouvelle vie depuis que j'ai arrêté, et qu'aujourd'hui, en bon citoyen, je respecte les consignes du chef de l'État et que je suis confiné comme des millions de Français. C'est la seule option de sortir au plus vite de cette crise sanitaire et que ne pas respecter cette consigne est irresponsable. C'était ma dernière question de l'interview. On peut terminer là-dessus. Merci Fabrice. Merci, au revoir. Pour commencer, pourquoi le tennis et pas le surf pour un Tahitien que tu es? Parce que j'ai quitté Tahiti, j'avais 2 mois, donc Ah c'était oui. un peu tôt pour surfer. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler ta progression rapidement ta progression et ton parcours chez les jeunes? Ouais, j'étais classé très jeune et il faudrait que je le fasse dans l'autre sens. Je sais qu'à 8 ans et demi, j'étais 31, à 9 ans et demi, j'étais 15-4, à 10 ans et demi, j'étais 15-3, à 11 ans et demi, j'étais 15, 12 ans et demi, j'étais 4-6. 13 ans et demi, 1-6, 14 ans et demi, moins 4-6, et 15 ans et demi, numéro 29. Progression hyper fulgurante, on peut le dire, Assez et rapide. assez rapide. Ouais. Quel regard tu portes sur cette évolution, sur cette explosion finalement? En général, enfin, je pense que ce genre de progression est toujours, comment dire, assez normal quand on la vit. Et c'est peut-être plus impressionnant pour les gens qui la regardent de l'extérieur. Moi, en tant que jeune joueur, qu'enfant, apprenti pro, je trouvais ça logique de. Moi, je jouais des tournois, je gagnais des matchs encore, et puis je gagnais parfois des tournois, et puis donc j'améliorais mon classement. Donc de l'intérieur, pour moi, c'était que des entraînements, des matchs joués et très souvent gagnés. Mais pour des gens qui suivaient ça de l'extérieur, effectivement, voir un petit gamin qui en plus n'était pas du tout avantagé physiquement parce que j'étais toujours plus petit que mes adversaires. Donc voir un gamin, un enfant qui gagne autant de matchs et avec pas mal de facilité et très souvent face à avec des adultes dans les tournois adultes et des pères de famille qui débarquent avec femme et enfants, ça peut parfois surprendre. Mais moi qui étais au poste de pilotage, finalement je trouvais ça voilà, quand je jouais, je gagnais. Bon, c'était simple pour un enfant. Quelle a été la première fois
ta carrière ou t'as stagné finalement? Alors après 15 ans et demi, j'ai fait numéro 20, 29, 11, 5, 2. Mais après, ouais, après, je suis resté là entre, bon, quand j'étais 2, je devais être peut-être 40e mondial, 50e, et j'ai fait une bonne partie de ma carrière entre 17 et 50, même s'il y a eu, avec des blessures, quelques descentes autour de, enfin, il y a eu deux, je crois, descentes autour de la 80 ou 100e place quand je me suis blessé. Je crois, fin 96. Comme physiquement, j'ai été assez préservé, j'ai gardé un classement assez stable. Lors de ta jeune carrière, quel a été le coach qui a le plus marqué ton enfance et pourquoi surtout? Parce que si on le connaît pas. Non, mais je pense que c'est mon papa qui m'a amené à ce sport, qui m'a toujours soutenu, qui m'a poussé sans me forcer, qui m'a donné le goût de la rigueur, de l'effort, enfin le goût de l'effort, qui m'a toujours dit que dans la vie, quand on commence quelque chose, on le fait à fond et que le pire défaut, ça serait de faire quelque chose à moitié. Donc ouais, c'est à mon père que je dois beaucoup 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 de choses. Ouais. Est-ce que tu te souviens le tout premier jour où tu as joué au tennis et les sensations que tu as ressenties? Alors, je me souviens de l'endroit précis, c'était face à un mur. Alors, j'avais 6 ans et à cet âge-là, il y a des gamins qui frappent la balle, d'autres qui passent à côté. Et moi, j'avais l'avantage de pouvoir la frapper tout de suite. Donc, j'avais déjà un rapport œil-balle qui était assez bon pour un enfant. Donc, j'ai des images précises de ces premières balles frappées à côté de Toulon. Enfin, à Toulon. Comment est-ce que tu as découvert que tu étais plus à l'aise à deux mains? Sans essayer à une main. Ah, tout de suite, immédiatement, première prise de raquette, c'était à deux mains. Ouais. Vraiment, j'avais une raquette d'adulte parce qu'à l'époque, donc en 1978-19, il n'y avait pas de raquette de mini-tennis, il n'y avait pas des balles molles pour les enfants. Donc, j'ai commencé à jouer au tennis avec une raquette d'adulte et des balles dures. Et de par mon gabarit, le seul moyen de pouvoir jouer, c'était de prendre la raquette à deux mains. Il y a une raquette en bois qui pesait une tonne, quoi. Et comment t'as fait pour développer justement ton style de jeu à deux mains? Là encore une fois, c'est mon père qui m'a facilité la tâche en me disant que dans la vie, tout ce qui est naturel, il faut le conserver. Donc si naturellement j'avais envie de jouer à deux mains, il fallait que je le garde, il fallait que je continue. Si j'ai pris la raquette à deux mains, c'est que je me sentais à l'aise de cette façon-là et qu'il n'y avait pas de raison de changer. Quel était ton coup fort? Je ne sais pas vraiment de coup fort, c'était l'amorti, l'adresse, la lecture du jeu, l'anticipation, voilà, c'était ça, l'adresse. Et ton coup faible? Service. Ouais. Et est-ce que c'est le service justement que le coup qui a le plus évolué dans ta carrière? Ouais, clairement le service et la volée quoi. Jusqu'à 1996-97, je ne servais vraiment pas bien et j'étais, un, je ne volais pas bien et deux, j'étais perdu quand j'arrivais au filet. Je n'avais pas du tout de lecture du jeu et je ne savais pas où me positionner. Et j'ai réussi à trouver les clés et à me sentir ensuite hyper à l'aise au filet. C'est incroyable au vu du palmarès que tu as en double. Comment t'as fait pour autant développer cette volée et ton service quoi? Encore une fois, mon père m'a toujours dit que j'avais toutes les qualités pour devenir un excellent joueur de double et moi j'y croyais pas. Il me disait, tu retournes très très bien, t'as une bonne lecture du jeu, une bonne adresse sur le petit jeu, tu mets la balle où tu veux. Donc sur un périmètre restreint, tu es fort, tu seras forcément bon. Et il m'a convaincu et lorsque j'ai joué les premiers tournois de double, je me suis rendu compte qu'il avait raison et je me suis rendu compte que j'étais capable de très très bien voler. Et j'imagine que pour le service, ça devait être des heures et des heures de sauts de balle avec des cibles, ouais. Et de la patience et de la persévérance. Ouais, et c'est pas facile à accepter quand on reprend un geste de service à zéro alors qu'on est déjà 30e ou 40e mondial et qu'on on fait l'impasse sur certains tournois pour pouvoir progresser techniquement. Mais c'était des choix de carrière qui étaient importants. Et ces choix-là m'ont permis ensuite de bien servir. Et le service est devenu, dans ma deuxième partie de carrière, le service est devenu une arme. Est-ce que tu voues cette évolution à la ténacité d'un coach qui t'a pas lâché, qui t'a pris vraiment pour t'emmener sur le terrain et te faire faire du service? Ou toi, finalement, ta volonté naturelle d'y aller, d'en faire plus que les autres? Je crois que ça passait d'abord par des convictions. Il fallait me convaincre que je pouvais bien servir, il fallait me convaincre que je pouvais bien voler, il fallait me convaincre que je pouvais être un grand joueur de double. Voilà. Mais une fois ces messages digérés et acceptés, après c'est que du travail. Et le travail, c'est la base dans tout. Donc j'ai travaillé. Mais c'est vrai que le service pour moi, c'était certainement l'atelier le plus fastidieux. J'ai jamais aimé faire des paniers de service. Tu disais que ton coup finalement le plus fort, c'était l'adresse, la lecture du jeu. Quelle était ta manière de le travailler à l'entraînement et de développer cette force? Je pouvais faire parfois travailler l'amorti à l'entraînement. J'aime le petit jeu. Je me souviens quand j'étais gamin, je m'échauffais souvent dans les petits carrés. J'aimais jouer dans les carrés. J'aimais faire des rétros. J'aimais prendre une balle et si je voyais un saut à 20 mètres, essayer de la mettre dans le saut. Enfin, tout ce qui était geste ou exercice d'adresse et de main. Me plaisait beaucoup. Donc, comme l'amorti, c'est que de l'adresse et de la main,
Ouais, même pendant ma carrière, régulièrement, enfin, je travaillais la main sur des exercices, sur des jeux d'adresse, et j'adore un petit peu tout ce qui touche à l'habileté. Est-ce que tu te souviens d'un entraînement où tu as réussi une série incroyable de, je sais pas, d'amortis jets d'eau ou de rétro ou vraiment une espèce de série qui sortait de nulle part, quoi? Je me souviens, ouais, sur. C'est drôle, parce que je me souviens d'un échauffement avant un match à Dubaï en double avec Zimonjic, ouais. Il s'est chauffé au service et je lui ai fait 6 retours rétro de suite. Voilà, si tu veux. Oui, il y a eu un peu de réussite, même beaucoup de réussite. Quel était le rêve qui te faisait t'entraîner si fort à l'époque? Après quoi tu t'accrochais? Vivre de ma passion, être le meilleur possible. Je sais pas, il y a beaucoup de joueurs qui disent je voulais gagner Roland Garros, je voulais gagner être meilleur en mondial. Moi, quand je me replonge un petit peu dans mes souvenirs d'enfance, j'avais pas ce rêve-là. Moi, je suis un joueur, donc je voulais jouer. Tu as été le joueur le mieux classé de l'histoire à deux mains. L'Américain qui était Gene Meyer, qui a été 4e mondial. En quelle année, tu sais? Entre 82 et 85, je pense. Partie de l'équipe Est-ce que tu américaine penses... qui a battu la France en finale de la Coupe Davis à Grenoble en 82. D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça pourrait encore arriver sur le circuit, un joueur aussi bien classé à deux mains? Je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes les raquettes de mini-tennis et les balles qui sont hyper adaptées aux jeunes joueurs ne vont pas inciter la prochaine génération à jouer à deux mains. Parce qu'on n'a plus de raison de jouer à deux mains aujourd'hui. Quand vous prenez une raquette qui fait la taille d'un stylo, enfin j'exagère un peu, mais ça sert à rien d'apprendre à deux mains, puisque de toute façon elle pèse 20 grammes. Enfin, et là, encore une fois, j'exagère, mais elle est tellement légère que même un gamin de 3 à 4 ans, il peut la soulever. Donc si le gamin de 3 ans arrive à la soulever facilement, il va pas mettre les deux mains dessus. Est-ce que tu sais combien tu joues main gauche? Pas du tout. Non. Je me souviens d'une anecdote d'Arnaud Clément qui avait été blessé et pour ne pas perdre le contact du court, avait fait un tournoi main gauche, avait réussi à gagner jusqu'à 15-1, je crois. Tu penses que tu jouais mieux que ça ou moins bien ou... Ah non, je pense qu'Arnaud pour jouer 15 ans, il s'est entraîné. Ah, c'est dur de jouer 15 ans de main gauche. Hein. Et aujourd'hui, tu penses que tu joues combien? Main gauche? Non, 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 main droite. En main droite, ça dépend ce que j'ai fait les 15 jours qui précèdent le test match Ouais. et ça dépend le temps de jeu. Je ne jouerai pas forcément au même niveau sur 1 heure que sur 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Mais si je m'entraîne pendant 15 jours, 3 semaines et que je joue 1 heure, sur 1 heure, je vais avoir un bon niveau de jeu. Je Négat? voilà. Tu joues encore négat? Ah non, mais Négat, très, très facilement. Est-ce que tu étais pote avec Ian Michael Gambill, l'autre joueur à avoir été dans les 100 à ton époque, à deux mains? On n'était pas vraiment potes, mais on s'entraînait parfois ensemble. À la fois, on jouait tous les deux à deux mains, mais on avait des jeux extrêmement différents. Moi, j'étais vraiment sur le jeu des mains et des poignets avec beaucoup de souplesse au niveau des poignets. Lui, c'était très robotique. Ouais. Vous On était filiez pas vraiment. forcément des tips ou des. Vous échangez pas forcément de tuyaux sur le jeu à deux mains? Non. Que tu te souviens de ta pire galère sur un court ou sur un tournoi? Difficile à dire. Je me souviens d'un match face à Federer en Coupe Davis où c'était une galère parce que j'étais blessé et jouer Federer quand on n'est pas blessé, c'est difficile. Mais alors blessé, j'étais une proie facile et j'avais vraiment zéro chance. Donc j'ai senti ce match m'a paru, il était rapide, mais il m'a paru extrêmement long parce que je savais que je n'avais aucune chance. Tu te souviens du score? 3-7, hyper facile pour lui. Je ne sais plus. Puis j'ai gagné 4 jeux. C'est drôle, parce que je me souviens d'un échauffement avant un match à Dubaï en double avec Zimonjic, ouais. Il s'est chauffé au service et je lui ai fait 6 retours rétro de suite. 5 jeux. Et ta plus belle remontada? En fait, j'ai oublié beaucoup de choses de ma carrière. Comme si c'était une autre vie, une première vie. Et aujourd'hui, je suis absolument, à la fois, je suis fier de ce que j'ai fait, mais je ne suis pas du tout nostalgique. Il y a beaucoup d'anciens champions qui ressassent leur passé et qui aimeraient être encore là, etc., à jouer. Moi, comme je vous l'ai dit, je fais des choses aujourd'hui dans le tennis et en dehors du tennis qui me rendent aussi heureux que lorsque j'étais joueur de tennis professionnel. J'ai pas de préférence. En revanche, comme l'a inculqué mon père, quoi que je le fasse, je le fais à fond, je le fais toujours à 100% avec ce message qui m'a toujours été donné, comme quoi le minimum, c'est de faire le maximum. Donc quoi que je fasse, je fais le maximum. Est-ce que parfois ça te pèse que les gens te parlent sans cesse de ta carrière de joueur, justement? Non, mais je crois que ma carrière m'aide beaucoup dans ma deuxième vie, en fait. Parce que même si j'ai pas fait d'études, je crois que mes 21 années de carrière, c'est un peu comme 21 années d'études. Parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup dans la. C'est un sport qui est très formateur, le tennis. Et je dis toujours à des enfants ou des parents qui me demandent si leur enfant va être professionnel un jour. Je leur dis que c'est très difficile à prédire, que c'est un parcours qui est extrêmement difficile. C'est un peu le parcours du combattant. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est très formateur. Même s'ils ne deviennent pas pro un jour, ils apprendront beaucoup de choses qui leur seront utiles dans leur vie, car c'est une très, très bonne école de la vie. Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été joueur de tennis professionnel? Bah, si je prends en compte ce que je fais aujourd'hui, moi, je dirais que j'aurais travaillé soit dans les
l'immobilier, soit dans la finance. Et je pense que j'aurais vécu en province. En Corse, non? J'ai cru comprendre que tu aimais bien ces environs. Là, je devais y aller, je peux pas y aller. Hier, on a fait une interview avec Charlotte Gabas et elle me dit demain, t'es avec Fabrice, parle-lui de la Corse, il adore. J'ai eu des amis en Corse aujourd'hui encore, des copains, des copines tout à l'heure. Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné pendant ta carrière? Je pense que c'est de travailler dur, ce qui compte, c'est pas d'être le meilleur du monde, c'est d'être le meilleur possible. Voilà. Tu te souviens qui te l'a dit? Mon père m'a tout appris. Ce qui compte, c'est pas être le numéro un mondial, c'est d'être son numéro un mondial. C'est quand on est un joueur qui est 80e mondial, mais qui est au taquet, qui peut pas être 50e, il est 80e et c'est parfait, quoi. Par contre, celui qui est 15e mais qui peut être numéro 2, celui-là, il peut s'en vouloir. Quelle est la plus belle victoire de ta carrière et pourquoi celle-là en particulier? Il n'y en a pas qu'une. Je dirais que celle face à Safi en 2001 à Roland-Garros a une saveur particulière. Celle de toutes les victoires en Coupe Davis sont complètement dingues. Complètement dingues. Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et quand on joue pour le drapeau, ça prend une autre dimension. 91 à Lyon, 2001 à Melbourne était complètement fou. 2001 à Melbourne, c'est un souvenir impérissable. En plus, j'ai la coupe en face de moi. Ouais, c'est le souvenir d'une vie, quoi, d'une vie professionnelle. Parce qu'il y a tout, il y a le fait d'être vraiment outsider dans un événement majeur, que la compétition se dispute au bout du monde, le fait de voir dans un stade de 15 000 personnes une petite bande de 1 000 Français qui ont fait le déplacement, d'avoir la Dream Team australienne en face et puis finalement de revenir avec le trophée. Si tu avais une anecdote qui sort de cette campagne en 2001, ça serait laquelle? Ouais, racontable. Plein de... La défaite la plus douloureuse? En 93 à Roland, je jouais vraiment bien, je devais être 20e mondial, j'avais 20 ans, j'arrive à Roland-Garros, je gagne tous mes matchs d'entraînement et un premier tour, je joue Matsuoka, un japonais, qui jouait pas du tout sur terre battue. Et c'était un premier tour, après, j'ai joué largement à ma portée que je devais passer. Et j'ai perdu en 4-7, j'ai pris une raclée. Je suis complètement passé à côté. Ton tournoi préféré, et pourquoi? Roland-Garros et l'Open d'Australie. Je peux pas en mettre. Roland-Garros parce que j'ai toujours eu un soutien inconditionnel. Et l'Open d'Australie parce que pour moi, c'est une finale de Coupe Davis, c'est un quart en Grand Chelem, c'est 2 titres en double. C'est plein de souvenirs à titre perso aussi. C'est pour moi une ville, Melbourne, qui est. Voilà, sur mes 10 plus grands souvenirs en carrière, il y en a 5 à Melbourne. Et à Roland, la fois où l'ambiance était la plus dingue de ton souvenir? Ah, je pense que c'est contre Marat en 2001. Ouais. Ça fait vraiment la diff à la fin du match où tu dis que si le public n'est pas là, je ne gagne pas. Parfois, je me suis dit ça. Surtout quand on a des coups de fatigue dans un match et qu'on sent une énergie autour du court, ça permet de repousser encore plus ses limites sur le plan physique, sur le plan mental. Mais c'est surtout les fins de match. Comme contre Iraki Labadze, par exemple? Sur la Badée, c'est vrai que j'avais joué 6h30 contre Arnaud en 2 jours, lundi-mardi, et je joue la Badée le mercredi, et je rentre sur le terrain, je suis déjà fatigué. Donc je me dis, je peux jouer 2 heures, et en fait, j'ai joué presque 4 heures, je crois. Tu termines à la nuit tombée, quelle victoire, et quel régal. Ta plus belle association en double? C'est Mika. Mika, on sentait... Alors, on n'a pas été numéro un mondiaux, enfin, je ne veux pas être prétentieux en disant ça, mais on n'a pas été numéro un mondiaux parce qu'on était tous les deux aussi des joueurs de simple. Et qu'on jouait pas beaucoup de tournois, ou souvent on perdait des matchs parce qu'on était sur des fins de journée, on avait tous les deux joué en simple, puis on était cuit aux patates en fin de journée pour avoir l'énergie d'aller chercher notre vecteur en double. Toujours sans prétention aucune, on avait peur de personne en double, on se sentait vraiment serein, peu importe l'adversaire. Et votre plus belle victoire ensemble? C'est Melbourne. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Je sais pas, Melbourne. La fois où Mika t'a fait la plus grosse dinguerie? Mika, on a fait un striptease après notre deuxième victoire à Melbourne. Sur le terrain, on s'est mis en caleçon. Ouais. Voilà, donc ça c'est Mika qui me fait faire n'importe quoi. Si vous lui posez la question, il vous dira que c'était moi l'initiateur de ce striptease. Il est totalement faux. Tu as participé donc à la campagne de Coupe Davis 91. Selon toi, quelle est l'essence du coaching de Yannick Noah? Je crois que sa première qualité, c'est de rassembler et c'est son charisme. Je dirais plus le temps est passé dans ses années de capitana, moins il parlait tennis et plus il allait sur le côté psychologique de l'événement. La question d'après était ta plus grosse fiesta sur le circuit. Est-ce que c'est celle suite à la Coupe Davis en 2001 du coup? Non, ouais, 2001 à Melbourne ou à Sydney en 2000 aussi. Aux Jeux Olympiques de Sydney, ouais, on a bien fait une grosse fête. Ouais. Puis moi, comme je ne bois pas beaucoup, quand je bois, je ne bois jamais en fait. La blague la plus incroyable à laquelle tu es assisté dans un vestiaire? La blague? À part Mika qui se met à poil dans le casier de Federer. On sèche? Ouais, je sais pas. Le joueur le plus drôle? Federer est très drôle. Murray est très drôle. Qu'est-ce que tu aimes dans son humour à Murray? J'aime tout. L'humour des deux, Roger et Andy. Et Roger, il a l'humour français. Enfin, il a le même que nous. Andy, c'est très british, j'adore, c'est so british. Il est très fin, hein. il a une attitude en plus, et
Puis il est tellement bougon sur le terrain, tellement sympa, drôle et gentil en dehors que j'ai l'impression que depuis le début de sa carrière, je passe mon temps à le défendre auprès de mes amis en disant, mais qui critique sans arrêt en disant, mais Andy Murray, il est toujours bougon, râleur sur le terrain. Je dis, mais oui, mais vous n'avez pas la chance de le connaître, c'est un mec fantastique. Et la joueuse la plus drôle? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a pas mal de filles dans le circuit actuel que je prends du plaisir à voir jouer. Des filles comme Osaka, Andreescu, Barty. Déjà, ça fait déjà au moins 3 joueuses que j'apprécie particulièrement et j'ai pas souvenir d'avoir apprécié 3 joueuses qui jouent sur le circuit en même temps. Le joueur qui a le meilleur touché actuellement, selon toi? Murray, Federer, Rafa, c'est monstrueux aussi. Rafa, il a une main incroyable. Rafa a peut-être l'une des meilleures mains du circuit. Ouais. Que beaucoup de gens voient sa puissance avec ses biceps et sa frappe de balle. Mais c'est un joueur qui est extrêmement intelligent et qui a une finesse remarquable. Déjà une finesse tactique. Il y a de la puissance dans ses choix, mais il y a toujours les bons choix. Donc quand on fait toujours le bon choix et qu'en plus on y va avec de la puissance, forcément ça fait des dégâts chez l'adversaire. Mais il y a toujours des bons choix. Il a une justesse tactique qui est étonnante. Qui est le joueur le plus fou? Gulbis, il est un peu tapé, mais encore une fois, c'est un gentil fou, quoi. C'est un gentil fou, c'est comme Fognini, il est un peu fou, il est fou sur le terrain, mais c'est un gentil fou. Et la joueuse? La joueuse la plus dingue? Je sais pas. Ouais. Tes joueurs préférés actuels et anciens? Actuels, donc Roger, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Anciens, j'étais très McEnroe quand j'étais gamin. Enfin, j'ai adoré Agassi, Edberg, Rafter. Mais même aujourd'hui, je suis fan de Rafa. Enfin, en fait, je suis tellement impressionné chaque semaine ou chaque année, en fait, par ce qu'ils arrivent à reproduire, ces joueurs-là. Ça dépasse le cadre, en fait, du coup droit, revers, je lift, je joue à plat, quoi. C'est juste que c'est inhumain ce qu'ils arrivent à reproduire depuis 20 ans. Et chez les femmes, une ancienne joueuse que tu admires particulièrement? Chez les joueuses, Steffi Graf, Monica Seles. Comment est-ce que tu as géré le fait de devenir connue? Ça s'est fait donc naturellement au fil des années. Et puis très vite, je me suis dit que peu importe ce que je vivais, il était hors de question que je m'isole, en fait. Parce que je savais que si je m'isolais, j'allais être malheureux. Donc, j'ai toujours vécu normalement. Petites adaptations, mais voilà. Et ça t'a jamais pesé outre mesure ou Non. Ça... Déjà, j'ai la chance, dans la rue, d'avoir soit des gens que je laisse indifférents, soit des gens qui sont gentils. C'est-à-dire que j'ai aucune animosité, j'ai... 100% des gens qui viennent me voir sont sympas avec moi. Avec des mots gentils sur ma carrière, sur des souvenirs, ils ressortent des moments précis, des matchs à Roland-Garros, en Coupe Davis, sur Safin, des souvenirs. Et j'ai que des gens sympas, donc la vie est belle, quoi. Est-ce que tu regrettes en 2002 de ne pas avoir fait ce match contre Safin en Coupe Davis? Oui. J'étais également là et j'ai pleuré. Ouais, c'était dur, ça. C'était juste pour rebondir sur le côté notoriété. Est-ce que tu as une anecdote avec une groupie enragée? Non, pas d'anecdote particulière, non. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui perdent un peu leur sang-froid et ça peut être perturbant ou gênant. Mais non, j'ai pas de souvenir de gens qui perdaient complètement leur sang-froid. Et quand les gens perdent leur sang-froid, ils font quoi? Enfin, moi, je suis pas connu, donc je sais pas, en fait. Non, on peut facilement dire que c'est un petit peu démesuré ou inadapté. Quel a été le meilleur match de ta vie, le jour où tu as vraiment été intouchable? Je sais pas, j'ai un très très bon souvenir de ma semaine à Madrid où je bats Federer en quart de finale. C'était en 2002, je crois. Qui était ta bête noire sur le circuit? Kafelnikov. La fois où il t'a le plus martyrisé? Open d'Australie, une année, même une raclée en 3-7. Est-ce que tu étais superstitieux? Et si oui, quel genre de rituel tu faisais? Ouais, j'étais superstitieux à vouloir mettre la bouteille toujours au même endroit, à ne pas marcher sur les lignes entre les points. Quand je rentrais sur un cours, si je rentrais le premier, je prenais toujours la chaise à droite de l'arbitre. Quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui? Est-ce que mentalement, tu es toujours finalement dans ta vie de coach et de consultant un petit peu superstitieux ou tu as totalement dépassé ce genre de choses? Non, j'étais très superstitieux. Parfois, en fait, je ne sais pas si être très superstitieux, je ne sais pas si c'est une faiblesse mentale ou une force ou nécessaire. Mais en tous les cas, quand on est très superstitieux, ce qu'on cherche avant tout, c'est à se rassurer dans une routine. Ce que faire sur un cours, ce n'est pas une faiblesse mentale. Ce n'est pas plus fort mentalement encore à faire. Mais c'est juste à se protéger et à s'enfermer dans une routine qui le rassure. Niveau comportement, qui était le joueur le plus chiant que t'aies joué? Pas trop de joueurs chiants. Il n'y a pas trop de joueurs, de joueurs chiants. Il y a beaucoup de mecs fair play quand même dans le tennis. Hein. Okay. Ouais, ça veut dire qu'on part tous en vacances ensemble, mais tennis, c'est un sport assez classe, quoi. Quel regard tu portes sur le côté un petit peu lisse et aseptisé quant au tennis vraiment de haut niveau, le circuit pro, quoi? Moi, ce que je vois, c'est quand je suis sur un tournoi où j'allume ma télé,
alors que j'ai vu des milliers de matchs, un Federer Nadal, je le rate pas, quoi. Donc aseptisé, ouais. Les gens parlent d'aseptisé. Moi, un Federer Nadal avec un tennis de très haut vol, sans qu'ils insultent les arbitres et sans qu'ils cassent de raquettes, ça me va très bien. Hein. Toi, tu avais une particularité, Fabrice, c'était que tu réalisais des fiches sur tes adversaires. Comment tu les réalisais? Où est-ce que tu les stockais? Comment tu t'y prenais? C'était quoi ta routine de travail là-dessus? Après, j'avais un tableau Excel et après chaque match, j'avais une colonne où je mettais les noms, le nom du joueur que je voulais jouer, ses points forts, une deuxième colonne avec ses points forts, une troisième colonne avec ses points faibles et une quatrième colonne avec la tactique à adopter si j'étais amené à le rejouer. Voilà. Et j'étais retravaillé, évolutif en fonction de ce que je pouvais apprendre sur un tel ou tel joueur ou si je regardais un de ses matchs à la télévision, je pouvais voir une lacune ressortir, des choses comme ça. Et ce tableau t'a fait gagner des matchs concrètement? Ouais, plein. Ça m'a évité de partir dans l'inconnu. Je connaissais toujours le profil de l'ennemi. Tu procèdes un petit peu de la même manière aujourd'hui quand tu coaches? Ah ouais, j'aime bien, ouais, bien sûr. J'aime bien donner des conseils précis à mon joueur. Hein. Ce que je dis toujours à mes joueurs, c'est que les conseils que je donne, c'est un plan A. Et un plan A, il faut l'appliquer sur 20-30 minutes. Quoi. Il faut s'y tenir sur 20-30 minutes, mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 30 minutes, on va le prolonger. Il peut y avoir un plan B. En fonction des conditions de jeu, en fonction de la forme de l'adversaire, en fonction de plein de critères qui peuvent entrer en ligne de compte au bout d'une demi-heure de jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore pote avec des gars comme Sampras, Agassi, enfin des légendes du tennis? Alors, ravi de les croiser. On est ravi de se croiser quand ça nous arrive à quelques occasions par an. Après, hors compétition, non, pas de contact. De temps en temps, avec certains, on s'envoie des petits messages pour une exhibition, pour un événement. Okay. Mais surtout, l'ambiance a vraiment changé. C'est-à-dire que maintenant, quand on est avec les gars, il y a tellement de recul, les relations sont tellement apaisées. Il y a des années déjà, hein, donc il y a de la maturité, il n'y a plus de rivalité. Tout ça est très, très cool et très agréable. Concernant tes gains en prize money, j'ai vu sur ta fiche ATP que tu avais gagné 10 813 000 $ en simple et double confondu. Quel regard est-ce que tu portes sur ce montant? Que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir une passion, et je pense que quand on parle de jouer au tennis, il n'y a pas plus joueur que moi, que cette passion au fil de l'année soit devenue mon métier, et que mon métier, de par ses gains, m'ait permis de construire ma vie et d'aider les gens qui me sont chers autour de moi. Voilà. Après, grâce à ce que je considère comme l'excellent travail de mes parents de 0 à 10 ans, je pense toujours avoir gardé les pieds sur terre. Même si je vis bien, même si je dépense plus d'argent que beaucoup de gens, je ne gaspillerai jamais un euro parce que c'est dans mes gènes et c'est dans mon éducation. Est-ce que tu te souviens la fois où tu as encaissé ton premier gros chèque et ce que tu as ressenti? Non, je m'en souviens pas. De gros chèques, je ne sais pas, mais par contre, quand on s'en va à 15 ans, on gagne plus d'argent que son père, ça fait forcément un choc. Et voilà, je venais d'une famille modeste où mon papa était ouvrier, maman ne travaillait pas. Donc les fins de mois commençaient le 10-12, quoi. Mais malgré un porte-monnaie modeste, mes parents ont tout donné pour que je fasse carrière, pour que leurs deux enfants, parce qu'il y a ma sœur aussi Sabine, pour que leurs deux enfants soient épanouis et manquent de rien. Et on a manqué de rien. Et voilà, donc forcément, quand après j'ai pu gagner ma vie, il y a eu l'inversement des rôles. Est-ce que tu te souviens du plus gros craquage que t'es fait en termes de dépenses pendant ta carrière, mais un petit peu sur un coup de folie, quoi? Bah de gros achats. Après, encore une fois, comme je te le disais, pour moi, je jette pas l'argent. J'ai trop de respect, trop de. Enfin, je sais que c'est difficile à gagner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais oui, j'ai eu la chance de m'offrir quelques belles voitures dans ma carrière, dans ma vie. C'était un moyen de se faire très plaisir, de se faire plaisir suite à de bons résultats. Mais toutes ces choses-là ne m'ont jamais permis d'être heureux ou malheureux, quoi. J'achète une voiture, je ne suis pas plus heureux. Je vends ma voiture, je ne suis pas malheureux, quoi. Ça n'a rien de vital. Et demain, si je devais vendre une ou deux voitures et une ou deux montres, ça ne ferait absolument aucun... Il n'y aurait aucune différence dans mon quotidien et dans ma joie de vivre. J'étais avec Thierry Tulane il y a deux jours pour une interview. Qui me citait cette anecdote assez marrante, c'est que lui, son plus gros craquage, pareil, c'était des belles bagnoles. Et ils avaient un jeu avec Yannick et Henri Lecomte, c'était d'arriver à Roland à l'époque par la porte 13 et de se garer à cette fameuse porte 13. Et c'était à celui qui avait la plus grosse d'année en année. Mmh. Et il sentait ce regard des gens. Bon, alors voilà, il recadrait en disant que c'était entre ses 18 et ses 22. Mais voilà, les bagnoles, c'est drôle, c'est assez marrant. Pour terminer sur ce volet, quel est
toi, ta propre définition de la richesse? Encore une fois, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Pour moi, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir assez d'argent pour vivre. C'est d'avoir des projets, c'est d'avoir de l'ambition. J'ai la chance de pouvoir aider les gens qui, comme je disais tout à l'heure, qui me sont chers autour de moi. S'il faut claquer de l'argent pour être heureux, je pense qu'on n'a rien compris, quoi. Voilà. Le bonheur n'est absolument pas là. Alors, c'est peut-être facile à dire quand on vit bien. Des gens modestes, heureux et des riches, malheureux, il y en a des milliers. Donc, le bonheur ne se trouve pas dans son pouvoir d'achat une fois qu'on a suffisamment d'argent pour vivre. Après, pour des gens qui sont vraiment en grosse difficulté, c'est un autre sujet, malheureusement. Merci en tout cas de ton honnêteté, ta franchise sur ces questions-là. Non, juste pour revenir sur l'argent, parce que je me fais souvent cette réflexion. Moi, en fait, où je me dis que je suis quelqu'un de privilégié, c'est quand un soir j'ai envie d'aller manger une pizza et que je pars avec ma compagne, on va manger une pizza. Alors ça va pas chercher bien loin, mais on veut aller au restaurant, on peut aller au restaurant. J'arrive dans un aéroport, je vais m'acheter quatre magazines, je peux m'acheter quatre magazines et deux bouquins. J'ai plus d'essence dans ma voiture, je peux faire le plein de ma voiture. J'ai mes factures qui arrivent à la maison, je peux payer mes factures. Voilà, ce qui est pour moi ma richesse. Après, tout ce qu'il peut y avoir en annexe, c'est agréable, c'est confortable, mais c'est pas du tout ce qui me rend heureux. C'est finalement une sorte de liberté. C'est ne pas être contraint et être libre de pouvoir s'ouvrir tes envies, quoi. Ouais, c'est agréable de se dire, si je veux partir en vacances, je peux. Voilà, tiens, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à manger, on peut aller au restaurant. Le litre d'essence a augmenté. Je peux quand même faire le plein à ma voiture, quoi. C'est ça, en fait, pour moi, le confort que j'ai dans mon quotidien. Ma question d'après, c'était sur le format de jeu. Je sais pas ce que tu en penses, mais le tennis, bah voilà, on le sait tous, c'est un sport assez lent et long. J'ai la sensation vraiment qu'il devient assez croustillant à 4-4, 30-A ou 5-5 au tie-break sur les fins de set. Toi, quelle est ta vision là-dessus? Et est-ce que tu sens une évolution du format ou pas? Bah, je crois que aujourd'hui, il y a de plus en plus de revenus, plus en plus de droits télé, plus en plus de sponsors. Les joueurs se battent énormément pour leurs gains. Et donc, ceux qui mettent de l'argent sur la table, notamment les médias, les télévisions, eh bien, ont besoin peut-être d'un format plus compact. Parce que c'est difficile pour une chaîne de télévision de dire un match, il va durer entre 1 h 15 et 5 h. Alors, bien évidemment qu'on a tous en mémoire des matchs qui ont duré 4-5 h qui étaient fantastiques. Je pense qu'on peut avoir un très très beau spectacle sur 2 h 30. Je veux dire, moi, j'ai été voir plein de grands concerts dans ma vie. Je sais pas moi, si je prends U2 que j'ai vu il y a quelques années, j'adore ce groupe, je les ai vus plein de fois. Le concert a duré 2 h 30. Je n'aurais pas envie que ça dure 6 h. Je pense 2 h 30, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. J'étais ravi, j'ai passé une super soirée. 6 h, non. Quand je vais au cinéma, je vais voir un film. Le film, je peux passer un moment extraordinaire sur un film d'1 h 20, d'1 h 45 ou de 2 h 10. J'ai pas envie que le film dure 4 h 30, même s'il est fantastique. Donc tu serais pour, toi, compacter un petit peu le format de jeu. Mais de toute façon, le compacté, c'est plus de moments forts pour moins de moments faibles. Tu verrais quoi dans un monde idéal? Peut-être des sets un peu plus courts. Bon, le LED, il faut le supprimer pour moi. Le LED n'a pas de raison d'être. Je comprends pas que ça n'ait pas été fait encore. Il faut trouver un moyen, à la fois pour les médias et pour le public. Pour les médias, il faut que ça soit plus court. Et pour le public, il faut aussi que ça soit plus court. En fait, pour les médias et le public, il faut que ça soit, qu'il y ait plus de moments forts, moins de moments faibles. Et ce qui se passe entre 0-0 et 2-2 dans un set, c'est pas toujours hyper sexy, en fait. Pour passer à ta carrière de coach, qui est l'entraîneur qui t'inspire le plus? José Mourinho. Pour le coup, j'adore Didier Deschamps. Pour le coup, j'adore Didier. Non, je parlais plus de tennis, hein, on l'avait compris, mais. En tennis, je trouve que Magnus Norman a fait un très bon boulot avec Stan. Qu'est-ce qui t'impressionne dans leur collaboration? Il a su mettre en avant toutes ses qualités, tout en masquant ses défauts, enfin, en tous les cas, en les améliorant, mais surtout, il a mis en lumière toutes les qualités de Stan, parce que Stan reste un joueur qui est avec une carrière extraordinaire, et il a quand même quelques lacunes dans son jeu, mais qu'on voit de moins en moins et qui sont de moins en moins visibles, parce qu'elles ont été bien masquées. Quel est le joueur que tu prends souvent en exemple auprès de tes poulains et à quel niveau? Federer, on le prend toujours en exemple parce que c'est fantastique ce qu'il fait. Après, c'est pas le joueur le plus facile à copier parce que c'est tellement beau, tellement élégant et ça paraît tellement facile ce qu'il fait que quand on essaie de le recopier et qu'on reproduit pas la moitié de ce qu'il fait, ça peut vite être frustrant. Mais Et en termes d'état d'esprit? Rafa, c'est dingue en termes d'état d'esprit. Moi, je trouve qu'un joueur comme Ferrer, c'était un magnifique exemple en termes d'exploitation de ses qualités à 200%, en termes d'attitude, de combativité. La seule chose qui compte, c'est le point qui arrive. Le point qu'il vient de jouer ne l'intéresse plus. Et le point qu'il va jouer dans 2 minutes ne l'intéresse pas encore. Voilà.
Ça devait être une tannée à jouer à David Ferrer. T'avais mis quoi dans la case point faible concernant notre ami Ferrer? Non, mais il a des lacunes, mais c'est un pitbull. Donc une fois qu'il t'attrape, il te lâche pas. Et ouais, c'est un état d'esprit fantastique. Ouais, dans le petit jeu, il était pas très bon. Hein. Il était beaucoup plus fort latéralement que dans la profondeur. Pas très bon à la volée. Une deuxième balle qu'on pouvait exploiter. Mais quel grand, grand, grand joueur. Au vu de ton expérience, quel est le conseil que tu juges le plus important de transmettre aux joueurs que tu accompagnes? Exploiter 100% de votre potentiel. Ça doit être le seul objectif de chaque joueur. Ne jamais arrêter sa carrière en se disant j'aurais pu mieux faire. En tant que coach, quel est ton plus grand souvenir à ce jour sur le circuit? Oh, des matchs incroyables avec Pierre-Hugues, parce que Pierre-Hugues est un homme rare et exceptionnel dans le monde du tennis. Donc on a partagé à la fois des moments de professionnel, mais aussi des moments de vie avec Julia, sa fiancée, avec son préparateur physique, son autre entraîneur. Enfin, on était vraiment une belle équipe et on a vécu des joies, des peines, des moments agréables, des moments de tension aussi, parce que moi, en tant qu'entraîneur, ben, parfois, quand je suis pas content, même si je l'adore, il faut que je lui dise. Donc, ça peut créer des tensions. Donc voilà, j'ai pas de match en particulier, mais la relation était tout simplement dingue. Et à quel niveau tu trouves que cet homme est incroyable? Il a une super éducation, il est bosseur, il m'a fait depuis le premier jour, dès le premier jour, il m'a fait confiance à 200%. Donc j'avais vraiment une carte blanche quand je bossais avec lui. Très très respectueux, intelligent, travailleur, combatif sur le terrain. Non, généreux, je vais m'arrêter. Non mais Pierre-Hugues, on a une relation très très particulière. Quel est le rêve qui t'anime en tant que coach? Je suis plus coach moi depuis le mois de septembre. Hein. Ouais, mais si ça devait se reproduire. Ouais, je crois pas. Ah ouais. Non, j'ai plus envie de cette vie. Non, non, depuis le mois de septembre, j'ai décidé d'arrêter. Donc, ça fait déjà 7 mois. Et je suis très heureux là. J'adore ma nouvelle vie. Je suis à la maison. Je dors dans le même lit tous les soirs. Je vois plus mes amis. Je passe plus de temps avec ma copine. Non, je suis très bien. Je fais plein d'autres choses en dehors du tennis. Quel lien tu tisses avec les mecs que tu accompagnais du coup? Est-ce que c'est un genre de lien au-delà du pro? Tu deviens une sorte d'ami, même de membre de la famille, ou ça reste très professionnel? Enfin, comment tu vivais En général, ça le... reste très professionnel, mais avec Pierre-Hugues et la famille, hein, Pierre-Hugues est devenu vraiment un très bon ami. En un ou deux mots à chaque fois, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris en coachant Gasquet? Qu'il est très difficile de faire bouger les lignes avec un joueur de plus de 30 ans qui a déjà une très belle carrière. Stakowski, Hein, qu'il aurait pu mieux faire, mais il s'est éparpillé trop dans sa carrière. Raonic, C'est un joueur qui risque de terminer sa carrière sans avoir gagné un titre majeur et c'est regrettable. et Pierre-Hugues. Il a fait énormément de progrès, il est passé de la 100 et quelques place, centième place mondiale à la 36e, je crois au mieux. Alors aujourd'hui, je suis plus sur le bateau avec lui, mais bon, on est en contact tous les jours. J'aimerais beaucoup qu'il revienne dans le top 50 parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il doit être 70e, un truc comme ça. Toute la difficulté chez Pierre-Hugues, c'est d'entretenir chaque jour, mais chaque jour, et c'est très fastidieux à faire, ses bases. Sur le bas du corps, pour ne pas faire un bon match et trois mauvais. Il a besoin d'un gros travail sur le bas du corps pour être ancré, et c'est cet ancrage qui va lui permettre d'avoir un niveau de jeu et donc des résultats stables. Voilà. S'il n'a pas cette stabilité, il fait un bon match, trois mauvais, un très bon match, deux mauvais, et voilà. Est-ce que j'ai oublié des joueurs? Non, non. Est-ce que tes méthodes de coaching ont évolué avec les années? Et si oui, comment? Non, j'ai appris, je commençais avec Sergi. En tant qu'entraîneur, je pense qu'il y a des bases qui sont toujours les mêmes, peu importe le joueur. Et après, il y a une part de variable en fonction du joueur. Je dirais qu'il y a 50% de, comme dans une entreprise, il y a 50% de fixe, 50% de variable. Il y a un fixe et un variable. Pas 50-50, mais voilà, il y a une partie qui est valable pour tous les joueurs. Et ensuite, il faut s'adapter au profil, au caractère, aux forces, aux faiblesses, à la psychologie du joueur. Quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach vraiment dédié au mental? Non, encore une fois, ça dépend du profil du joueur. Il y a des joueurs qui ne pourront pas faire de carrière sans un préparateur mental. Moi, j'ai eu personne pendant ma carrière. Ça ne m'a pas manqué. Encore une fois, c'est en fonction de ses qualités et de ses faiblesses qu'on peut vraiment. C'est à chacun de voir s'il en a besoin ou pas. Est-ce que tu fais partie de la team visualisation et méditation? Visualisation, j'en ai fait un peu pendant ma carrière. Méditation, non. Non, Et non. en quoi la visualisation t'a aidé? Ça m'a, quand je fermais les yeux et que je visualisais certaines séquences, certains moments de vie, etc., ça détendait tout mon corps. Et la méditation t'accroche pas tout simplement?
Non, mais comme ma copine en fait, peut-être m'y mettre. Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs de l'IPTL? Je crois que tu étais dans la team de Roger, donc ça devait être assez exceptionnel, j'imagine. Que des bons souvenirs. J'étais dans l'équipe de Roger la première année, j'étais son capitaine et j'étais dans le capitaine de Rafa la deuxième année. Donc j'ai été vraiment un capitaine gâté. J'ai été vraiment un capitaine gâté et j'ai vécu des moments extraordinaires avec les deux, qui sont tellement incroyables, tellement respectueux et qui avaient ce rapport vraiment joueur-capitaine et qui me disaient tous les deux, Fabrice, c'est toi qui décides, t'es toi le capitaine. Mais tellement facile, en fait, tellement facile de bosser avec eux. En fait, ce qui était le plus difficile avec eux, c'était de me dire, ils sont tellement normaux dans leur fonctionnement et tellement, enfin, ils sont tellement normaux là. Ils sont tellement normaux dans leur fonctionnement et tellement uniques dans ce qu'ils sont et anormaux dans ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a quand même deux gars, enfin voilà, deux gars que l'on ne connaîtra peut-être plus jamais dans ce sport, mais en fait, à gérer. Ils sont tellement intelligents, tellement faciles. T'as pas du tout parlé de Joko? T'as une dent contre lui ou t'es pas Non, fan ou... non, j'ai un petit peu. Il a toujours été très agréable avec moi, un peu moins de proximité. Non, non, très sympa. Mais après, voilà, après, ce qui est étonnant avec ces mecs-là, c'est quand on bosse avec eux, c'est de voir l'intelligence, le niveau d'écoute, la simplicité, leur goût de la bagarre, leur haine de la défaite. Voilà, leur professionnalisme, tout simplement. Enfin, moi, je me souviens quand j'avais Rafa dans mon équipe, on avait un petit groupe WhatsApp et puis on envoyait sur des messages. Et à un moment donné, Rafa, il vient me voir moi et il me dit, mais Fabrice, j'ai cru comprendre que vous aviez un groupe WhatsApp. Pourquoi je suis pas dedans, moi? Je dis, mais Rafa, c'est arrivé il y a 2 jours, j'ai pas ton numéro, j'ai pas osé te le demander, donc je préfère te voir et te passer les informations en direct. Il me dit, mais attends, mais tiens, il a été super content, il était sur WhatsApp, c'est lui qui a changé tout le temps du matin au soir, mais comme un dingue, comme un gamin, quoi. Et voilà, et là on parlait déjà d'un joueur qui avait gagné 15 grands chelems, et dont 10 grands, 10 Roland Garros, quoi. C'est tellement facile de bosser avec eux. Je crois qu'il y a pas mal de joueurs, moins 4, 6 ou moins 15 dans leur club, qui sont plus prétentieux qu'eux. Est-ce qu'il y a un joueur que tu ne pourrais pas entraîner et pourquoi? Non, j'en ai pas en particulier. Le pire entraîneur, le pire joueur à entraîner, c'est celui qui veut pas bosser, c'est celui qui est menteur. C'est tout. Celui qui veut pas bosser, bah, il a pas besoin d'entraîneur. Et celui à qui tu dis, bon, bah, demain je suis pas là, mais tu vas faire un panier de service, qui te dit le soir, j'ai fait un panier de service alors qu'il était à la plage, bah, celui-là, tu peux pas bosser non plus. Donc, voilà. Après, entre un joueur talentueux et un joueur bosseur, je choisis 1000 fois le joueur bosseur. David Ferrer. Le joueur qui est prêt à crever sur le terrain, c'est fantastique. Et qui écoute, c'est fantastique à entraîner. Je sais pas depuis combien de temps tu es avec la marque Lacoste. Comment tu t'es senti quand tu as reçu ta première dotation de fringues et quelle relation tu noues avec la marque? Ah, c'est Lacoste. La marque a été vendue il y a quelques années, mais j'étais très très proche de la famille Lacoste. Bah, j'ai 47 ans, ça fait 40 ans que je porte le crocodile, quoi. Même si deux années j'ai quitté la marque, mais voilà, le crocodile, enfin, il est sur mon cœur depuis 40 ans. Voilà. J'ai lu que tu avais une collection impressionnante de raquettes et que tu voulais Faux. en faire un musée. Non? Faux. Ah, c'est faux? Ouais, c'est faux parce que j'en ai Incroyable. quelques-unes, mais comme j'ai déménagé pas mal de fois, c'était compliqué à gérer. J'en ai donné à droite, j'en ai donné à gauche, j'ai plus rien. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as parlé avec le micro à Roland sur le Central ou sur le Suzanne? Est-ce que tu as ressenti une pression particulière? Terrible. C'était avec Serena sur le central et j'avais les jambes qui tremblaient. L'interview s'est bien passé, mais moi je peux rentrer devant 20 000 personnes avec mon arme, quoi. La raquette, l'arme, c'est une raquette. Mais avec un micro, je suis en costume, je suis pas dans mon. C'était l'apprentissage pour moi d'un nouveau métier. Mais on n'apprend jamais un métier devant 20 000 personnes et devant 150 télévisions, sans filet, en direct. Ça n'existe pas, en fait. Donc j'avais vraiment peur de me ramasser. D'année en année, comment évolue cette pression aujourd'hui? Comment tu la gères? À chaque fois que je rentre sur le terrain, je pars du principe que je peux me ramasser, que c'est très difficile, que c'est un exercice périlleux, que je suis pas à l'abri de mal traduire, d'avoir une personne en haut d'une tribune qui n'apprécie pas ma question, parce que depuis quelques années, on traduit, donc l'exercice français-anglais est assez compliqué, encore une fois, quand c'est pas ton métier. Donc voilà, à chaque fois, je me dis que je peux me ramasser, et c'est le meilleur moyen d'être vigilant et prudent. Et t'as toujours les jambes qui tremblent? Non, 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 j'ai plus de sérénité. Quel regard tu portes sur le Big Four, ou plutôt enfin le Big Three actuellement? Un immense respect et je fais partie de ceux qui ont envie que ça dure le plus longtemps possible. Quel est ton Graal en tant que consultant? Ah, je sais pas, je sais pas, j'ai pas de match en tête.
Est-ce que tu as un journaliste ou un commentateur que tu admires vraiment en particulier sur le circuit et pourquoi? Non, pas personne en particulier, mais je suis ravi de bosser sur Bein. On a une petite cellule tennis. On fait moins d'antennes aujourd'hui que par le passé, mais on a il y a vraiment une super ambiance et enfin, c'est franchement, je dis pas ça pour eux, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur de bosser. J'adore parler tennis. J'adore commenter des matchs. Quand on regarde les plateaux, je trouve que c'est extrêmement riche d'avoir des plateaux et pouvoir s'exprimer un peu plus longuement. J'aime beaucoup la télé. Ouais. C'était ma question d'après, justement. Ambiance France Télé versus Bein. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça fait 5-6 ans que je bosse sur Bein. J'ai fait 15 jours sur France Télé, la terrasse, dans le coin du Central. On a eu une très bonne ambiance aussi. Il y avait Marie, il y avait Mika, il y avait Justine. C'était vraiment chouette. Mais c'est pas du tout la même histoire quand on parle de 15 jours. Combien de matchs exhibition tu fais encore par an? 16, 8, 10. Un petit peu moins depuis que j'ai beaucoup coaché en 2018-19. Quel est l'endroit où tu préfères te rendre pour un match d'exhibition, là où tu as le plus d'affect? Ah, les grands chelems, Wimbledon, Roland-Garros, Open d'Australie. Ah, donc le circuit des légendes finalement. Ouais, c'est ça, c'est trop bien. Quelle est ta routine de sport aujourd'hui pour rester fit? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait 1 heure de vélo, j'ai fait des pompes, du gainage. Et je vais essayer de faire ça pendant tout le confinement parce que, comme je mange des pâtes et du riz, il faut choisir. Et finalement, à quel point est-ce que tu vis pour le tennis? Alors, je vis plus à. J'ai vécu à 100% pour le tennis. Aujourd'hui, j'ai vraiment une vie ailleurs, en dehors. Mais je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir une passion qui m'accompagne depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 6 ans. Et voilà, qui m'a permis de découvrir le sport dans mon enfance, qui m'a permis ensuite de gagner ma vie en devenant professionnel, qui me permet aujourd'hui de gagner ma vie aussi en le commentant, en ayant pris un peu de recul, et en le pratiquant encore occasionnellement avec des copains ou par des matchs d'exhibition. Voilà, tennis, sport de toute une vie. Voilà, je pense qu'il m'accompagnera toujours. Alors, Voilà. j'ai quelques questions pour terminer l'interview qui sortent un petit peu du cadre au tennis, mais est-ce que tu as un talent caché, Fabrice, à part la cuisson des pâtes al dente? Un talent caché, non, je crois pas. Non, non, non. Non. De quoi tu rêves dans ta vie d'homme aujourd'hui? Bah, de bonheur, de rester en bonne santé, la santé de mes proches, d'avoir des projets, parce que pour moi, les projets représentent l'essence de la vie. Et comme j'ai grandi dans un univers professionnel où chaque jour on repousse les limites et on a en permanence des objectifs, moi j'ai besoin dans ma vie d'avoir des objectifs. Donc j'essaie globalement de ne. J'aime bien faire des choses que je ne suis pas sûr de réussir. C'est à l'image de ma carrière. À chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que je rentre sur le court, je peux gagner ou perdre. Et aujourd'hui, j'aime bien faire ça dans ma carrière. On t'a contacté à travers Instagram et t'as gentiment accepté de faire cette interview. Combien de temps tu passes par jour sur les réseaux sociaux et quelle utilisation en fais-tu? Je suis nul. Parfois, c'est pas moi qui mets des messages parce que je fais des conneries. Tendance, c'est ma copine. L'année dernière, c'était une jeune fille. C'était la sœur de mon ami qui gérait mon Instagram parce que je comprenais rien, j'ai un peu progressé. Facebook, j'y vais quasiment jamais. Twitter, jamais. LinkedIn, jamais. Donc en fait, je fais qu'Instagram. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne au quotidien? J'essaie de m'améliorer. J'essaie de m'améliorer tout le temps. Peu importe d'où l'on part dans la vie, il faut toujours essayer de s'améliorer, d'être une meilleure personne, de progresser, de progresser, de progresser, de faire du bien autour de soi. Voilà. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie? J'en ai deux, un qui s'appelle L'athlète intérieur. Et il y a un autre qui s'appelle le chemin le moins fréquenté. Voilà. L'athlète intérieur et le chemin le moins fréquenté. Est-ce qu'il y a un message dans chacun des deux que tu pourrais nous transmettre ou... Ou tu nous Voilà. invites à les lire tout simplement. Ouais, lisez-les. Je les ai lus il y a 20 ans. Mais ils m'ont aidé vraiment dans ma carrière. Quels seraient tes mots aujourd'hui au Fabrice qui a commencé le tennis contre un mur et qui ne savait pas tout ce qui allait l'attendre? C'est difficile, mais difficile à dire. Non, ce que je peux dire, c'est qu'être joueur de tennis professionnel et faire partie des meilleurs joueurs du monde, c'est très difficile. Ça, il faut vraiment, pour moi, il faut beaucoup de passion, beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que c'est tout sauf un enfant tranquille. Et il y a des difficultés tout le temps. Il y a des difficultés en permanence. Et moi, lorsque j'étais sur le navire, je m'en rendais compte, mais je m'en rends encore plus compte aujourd'hui. J'ai pris du recul. Voilà. Je me dis que si j'avais un gamin de 8-10 ans qui veut un jour devenir professionnel, je lui dirais waouh. Ça va être un super chemin de vie, ça va être très formateur, une bonne école de la vie. Mais mon garçon, c'est pas gagné d'avance. Est-ce que tu as une citation que tu aimes particulièrement? Or, tennis, Une citation, peu importe. les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît.
Non. Les cons quoi, t'as dit? Les cons quoi? Bon, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais ça n'a aucun lien avec le tennis. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Je ne sais pas où ça se trouve, ça. Je sais pas si tu as un iPhone, mais il y a une appli par défaut qui s'appelle Apple Podcast, sur lequel cet épisode sera diffusé. D'accord. Voilà. Ok, bon, j'écoute alors. Ah bah ouais. Quel est ton regard sur la période actuelle, le confinement et le coronavirus en lien au circuit? Comment tu vis le truc et quel sera ton souvenir là-dessus dans 10 ans quand tout le monde aura tout oublié? Bon, déjà, le tennis, il n'y a pas de. Le tennis, c'est une goutte d'eau à l'échelle mondiale. Donc, la suspension du circuit, c'est juste normal. Et on reparlera tennis quand le monde ira mieux. Je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard. Qu'aujourd'hui, ce break mondial est peut-être une bonne chose pour l'humanité. En tous les cas, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, s'il y a 1% des gens qui se disent que ce coronavirus sera bénéfique pour la suite de leur vie, je veux faire partie de ce pourcent-là. Voilà, je veux faire partie de ce 1% qui utilisera ce coronavirus pour la suite de sa vie. Se dire que bah, qu'on n'est pas grand-chose, que même si dans une économie hyper puissante, etc., on parle de richesse d'économie tout au long de l'année, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Un simple animal peut foutre en l'air la planète, le monde. Et puis je me dis aussi que dans ces moments-là, comme dans des moments de guerre, les seules personnes qui sont vraiment utiles, ce ne sont pas les sportifs, ce ne sont pas les avocats, ce ne sont pas les banquiers, ce ne sont pas les machins, ce sont le personnel médical. C'est le personnel médical. Et que ces gens-là doivent être encore plus reconnus à l'avenir. Parce que voilà, quand il y a que ça soit une guerre ou que ça soit un problème sanitaire, il y a dans ces moments-là toutes les professions qui se mettent en stand-by. Mais il y a une profession qui n'est jamais en stand-by, quel que soit le problème, c'est le médical. Comment est-ce que tu connais Tennis Légende? Je connais Je pas ne du tout. connais pas Tennis Légende. Non, je vois des trucs. Vous mettez des trucs sur Instagram, c'est ça? Ouais. Non, mais je suis nul, je suis nul, je suis nul. Je suis nul. Est-ce que tu nous recommandes une personne particulièrement intéressante dans le milieu du tennis à interviewer? Si oui, laquelle? Accessible, je dirais voilà, Pierre Hugues. Hein. Pierre Hugues, c'est un mec smart, c'est un mec qui a toujours des choses intéressantes à dire. Allez voir Pierre Hugues. Il a que ça à faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Fabrice, pour terminer cet entretien? De rester en bonne santé, ouais, de rester en bonne santé, de garder les gens qui me sont chers. J'ai les mêmes amis, moi, depuis quasiment toujours. J'ai des amis remarquables. Que ma fille fasse de belles études et qu'elle s'épanouisse dans sa vie de femme. Et puis, je ne suis pas contre le fait d'être papa à nouveau, donc on verra ce que la vie me réserve. Voilà. Génial. J'aimerais faire une rapide conclusion comme j'ai commencé avec l'intro. Merci vraiment d'avoir accepté, d'avoir pris le temps et de t'être autant investi dans les réponses, avec autant de franchise, notamment sur le volet financier, mais pas que, bien entendu. Tu es un joueur qui m'a vraiment fait vibrer pendant mon adolescence. Et si un jour on m'avait dit qu'on ferait un épisode de podcast ensemble, Eh bien, j'aurais tout simplement eu hâte d'être à ce jour-là. Et voilà, c'est fait. J'en suis méga heureux. Merci beaucoup. Bah écoute, c'était un plaisir pour moi parce que c'était intéressant, les questions étaient vraiment intéressantes. C'est très Merci. très rare de faire une interview d'une heure et demie. Eh bien, merci Fabrice. Et je suis ravi parce qu'aujourd'hui on avait la même coupe de cheveux et je me sens moins seul. Ouais, après là j'ai dit que j'allais reposer ma peau. Mais moi là, tu vois, je Très rattrape bien. en 4 jours, ça va pousser très vite. Bon, prends soin de toi en tout cas et peut-être à Ciao. la prochaine. Yes, Salut. ciao.